Alors quand le jeu voudrait bien se lancer. Ah. Alors, bienvenue dans la démo. Bienvenue, nouvel intendant. Vos missions consistent à obéir à mes ordres et satisfaire mes besoins de manière immédiate. La période d'essai est courte. Ce n'est pas un stage d'été pour étudiants boutonneux, mais un vrai donjon maléfique. Et maintenant au travail. Signé Xandar le Maître. Français. Depuis des décennies, le donjon de Nahalbuk brille au firmament de la terre de Fang. D'accord. Oui, c'est curieux, je n'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolyte de sorcier teigneux. La communication est difficile pour les donjons indépendants. Ah, vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons. Ces parasites sans scrupules? Non, jamais. Mais nous avons les pièges les plus sournois, les gardes les plus rusés. Les monstres les plus terribles, les trésors les plus remarquables. Parfait, parfait. Je peux visiter un peu? Non, nous... Il y a eu des travaux. La peinture n'est pas sèche. Ah, dommage. Même si notre réputation n'est plus à faire, j'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure. Oui, l'annonce était très claire. Et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques. Certes. Et au sujet de la rémunération, je... Tout ça n'est pas très important. Je suis dans les standards du marché. Sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom. Et oui, bien entendu. Et puis j'ai rencontré les autres membres de l'équipe. C'est-à-dire, pas aujourd'hui. Ils sont en séminaire pour l'amélioration des... les processus. Enfin, tout ça. Processus. L'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats. Qu'en pensez-vous? Une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie. Je crois que c'est d'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix. Personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché. Il y a trop de discrimination. Entendu, je signe. Demi-gobelin? Ah. Parfait, parfait. Vous avez fait le bon choix. Et maintenant... Prévax, c'est un demi-gobelin. Maintenant... Au travail, misérable. Je ne paye pas les gens pour pailler aux corneilles. Oui, maître. Bon, alors voyons voir. Où est le personnel du donjon? Dans quel état sont les lieux? Je vais faire le tour du propriétaire. Je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat. Alors. Ok. Avec A ou E, logique. Ok, on est sur du standard. Ah, mais il y aura plusieurs étages, cool. Ça, c'est cool. Zoomer avec... Okay. Le donjon est dans un état déplorable depuis trop longtemps. Votre mission est de le restaurer, en d'autres termes, le rendre rentable. Comme vous pouvez le constater, sa réputation est actuellement à 1, ce qui est vraiment mauvais. Votre objectif est de l'améliorer afin de devenir le donjon le plus redouté et le plus attractif du Terre de Fang. Ok. Sélectionnez Xandar. Xandar. Que voulez-vous? Voici Xandar, le maître du donjon. Si sa jauge de patience est vide, la partie est terminée. Oh! Ok, cool.
J'ai bien mangé, je suis en forme, je suis propre, pfiou, je me sens tout léger, je suis motivé. Zangdar, un homme sombre et mystérieux, maître du donjon d'Albeck, qui aime faire fouetter son conseiller Alex. Il se fait passer pour un grand sorcier maléfique, mais tarde à le prouver. Sélectionner Revax, l'intendant. L'intendant Revax, où est-ce qu'il est, il est là. Pourquoi t'es caché ? Je deviens fou, je me parle à moi-même. Alors on a les mêmes musiques que le premier jeu. Voici Revax, le nouvel intendant du donjon, ou l'arbre en chef, si vous préférez. J'ai bien mangé, je suis propre, je suis propre. Un maître du donjon n'est rien sans son bras droit. Imaginez, il lui faudrait s'adresser lui-même au larbin et au monstre. Revax, naturellement lâche, fort et vénal, est plus intelligent que la moyenne. Certains disent même qu'il dirigerait lui-même en secret le donjon à la place de Zangdar, profitant de sa crédulité. Sélectionnez un sbire, le larbin. Un sbire a une origine, humain, un métier, cuisinier, un grade, 8 et un salaire. Les sbires de grade 1, les stagiaires ne coûtent rien. Quant au prestige demandé, vous verrez cela plus tard. Un sbire gagne de l'expérience en travaillant et progresse en grade. Plus il est gradé, plus il devient efficace et moins il échoue dans ses tâches. Décade et salaire. Sur les terres de Fang, l'unité de temps est la décade. Le cercle se remplit progressivement au fil du temps. Chaque décade, tous les sbires reçoivent leur salaire. C'est le chiffre en orange. Ok. Le sbire meurt quand sa santé est épuisée et démissionne lorsque son moral est au plus bas. Chaque sbire a des besoins spécifiques. S'ils ne sont pas satisfaits, les jauges de santé et de moral diminuent. Maître, j'ai une question. C'est un peu étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public. Ah, ça, bon, c'est pratique pour gagner quand même un peu d'argent. Je ne suis pas très doué pour la faire tourner. Je vois. En tout cas, cela pourra nous être utile. Alors, tu as terminé ta visite ? J'imagine que tu es impressionné par la qualité des lieux. Oui, c'est-à-dire, c'est un donjon. Peu commun, c'est certain, mais vous venez souvent voir les locaux du personnel ? Salut, Miskami. Jamais. Je suis un sorcier, pas un palefrenier. Bon, au travail maintenant. Ok. Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis, maître. Je n'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe. C'est-à-dire, c'est une question de standing. Dans le temple de Wismal, par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs. Eh bien... Quoi ? Ces imposteurs ? Bon, débrouille-toi, mais fais le minimum. Ce n'est pas un hôtel, ici. Bon, alors, voyons voir. Déjà, il faut absolument des toilettes. Le pot de chambre et les tas de fumier, ce n'est plus possible à notre époque. Construction. Cliquez sur l'onglet construction pour construire la pour choisir la pierre à construire. Alors, construction, voilà. Vos sbires ont besoin d'accéder à des toilettes. Ajoutez une salle d'eau. Alors, des toilettes. Salle d'eau. Une porte latrine. Tracer les murs au sol. Notez que le coût d'une salle augmente avec sa taille. Il est possible d'ajouter et de détruire les murs avec ses boutons. Tracer. Alors, la latrine, on va les mettre. Ça, c'est ok. En vrai, les latrines, on va les mettre à côté de... Comme ça. Okay. Puis la porte, on va la mettre en face. Toc. Sélectionner les latrines. Ah oui, c'est ce que j'ai fait. Ah. Okay. Maintenant que la salle est valide, vous pouvez le meubler, placer de belles latrines. Valider et payer pour ordonner la construction. Je valide. Il est possible de stopper ou d'accélérer le temps. Accélérer la construction de la salle d'eau pour la terminer plus rapidement. Parfait. Nous avons des toilettes correctes. Maintenant, des dortoirs avec des lits. Le
Galinotif enregistre les événements importants survenant dans le donjon. Consultez-les pour obtenir davantage d'informations à ce sujet. Je ne te paye pas pour faire la sieste. D'ailleurs, au sujet de mon salaire... Plus tard. J'ai des recherches magiques en cours. Je crois qu'il va falloir que je mette une petite caisse noire de côté. Aucune salle d'eau permet aux sbires de se soulager et de se laver. Aucune discrimination d'origine ou de genre ici. Tout le monde se côtoie dans la plus parfaite harmonie, sans incident ni dispute à propos des poils sur le savon. Cela reste une fiction. Hein. Ok, et donc un dortoir permet... Attends, c'est les réponses qu'on pense que j'ai ? Non. Permet aux sbires de se reposer. Le générateur d'odeurs nauséabondes par excellence, qui n'a jamais eu cet ami qui a ramené ses gros pieds puants à la soirée pyjama de vendredi, il va sans dire que ce seraient les orques qui sont là. Ok, il faut faire... Ah, c'est ça. Au dortoir. Galinotif, ok, c'est les notifs. Le galinotif, dortoir, on va faire un dortoir. Dortoir. En vrai, le dortoir, on va le mettre là, tranquillement. Comme ça. Et pareil, on va mettre la porte. En fait, ça sera l'aile des sbires. Oui, il veut que je mette autant de portes, ok. Des lits. Ça, c'est une paillasse. Ok. C'est une artiste qui l'a fait. Attends, bouge pas, je te trouve bien. Et l'effet, c'est Mad. Je sais plus comment ça s'appelle. Madhouse FX Studio sur Instagram, et elle a ouvert son site il y a pas longtemps. Je te mets le lien là, hop. Maintenant, elle fait des cornes aussi. Mais souvent, elle est en sold out. Il faut la suivre sur Insta pour savoir quand est-ce qu'elle va remettre des stocks. Parce que ça part très très vite. Je sais que mes oreilles, je les prends tout le temps là. Et quand elle a restocké les oreilles, j'en ai pris 4 paires. Parce que j'avais vraiment besoin. Tout est en sold out là. C'est pas que ça s'abîme vite, c'est que en gros moi je les colle avec du latex, et comme c'est déjà en latex, bah forcément ça devient un peu dégueu au fur et à mesure. Pas de soucis. Obligé de bouger un peu. Allez, construisez-moi ça. Ils viennent d'où? Ah, ils viennent de là, ils viennent de l'extérieur. C'est beau quand même. Extérieur déjà. Deuxième décade. Et voilà, on a une chambre. Maître, les améliorations des quartiers de vie sont terminées. Pas mal, mais c'est cher tout ça. Il va falloir trouver de l'argent. Si je voulais être ruiné, j'aurais engagé un architecte d'intérieur. Certes, mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers, même débutants, vu l'état du donjon. Si nous ne sommes pas au niveau, c'est entièrement de ta faute. Mais je viens d'arriver, je... Bon, en même temps, je sers un sorcier maléfique, pas une œuvre de charité. Ok. Pour assurer un peu de rentrée d'argent, il faut développer cette taverne. L'ancien tavernier est parti. Encore un pleutre et un ingrat. Je ne veux plus m'occuper de ça. J'ai mieux à faire. Je dois me concentrer sur mes recherches magiques et le développement de mon potentiel de management. Vous êtes tout à fait dans mes cordes.
Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi servir de la nourriture et de la boisson. Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques. Ce sera plus moderne. Je me demande s'il sait ce qu'il fait. Et surtout, ne dépense pas trop. Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres, pas nous ruiner en mobilier pour ivrogne. Sélectionnez la taverne. Alors, la taverne arrive là. Tripale vide d'or, ok. Ok, état de la salle propre, maintenir la salle propre. La taverne attire des clients prêts à dépenser leur or. Chaque objet de la taverne a un coût d'entretien qui est automatiquement déduit au début de chaque décade, tout comme les salaires. La somme en or je comprends donc les salaires et le coût d'entretien de la taverne. Okay. Le nombre de clients dépend de la taille de la taverne et du nombre de places assises. Sélectionnez un outil d'édition pour ajouter des objets dans la taverne. Okay. Modifier la taverne pour accueillir 6 clients supplémentaires. 6 clients supplémentaires ? Oh, il y a une entrée secrète. Les clients entrent et sortent par là. Coût d'entretien. Okay. Palissade. Comptoir. Une porte. Comptoir. Une table, il faut une table en fait. Pendion Justine, Noc Us Zuld. Voilà, table et buffet. Cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons. Ouais, j'ai embauché un intendant pour donjon maléfique, pas une cantinière. Certes, maître, mais il faut que nous ayons des revenus. Regardez, avec tous ces clients, nous allons gagner un peu d'or. Voilà. Orloff au rapport, maître. Eh mais, c'est quoi ce gobelin terne ? Demi-gobelin. C'est quoi cette brute ? C'est le maître d'armes du donjon, il commande la garde. Alors, ce raid de représailles ? Affirmatif, nous sommes arrivés au point de cible, le dénommé Temple de Wismal. Embuscade ennemie, combat, taux de perte de 100% pour nous. Rapport terminé. Je connais cette voix. Quoi ? Bande d'incapables ! J'ai moi-même été blessé 6 fois. Nous étions attendus. Je suis chef de la garde, pas maraudeur. Cela demande une préparation opérationnelle spécifique. Il est dans Survivor. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle, le résidu de salade verte ? Silence, vous deux ! Revax est le nouvel intendant. Quant à toi, Orloff, je vais peut-être changer de maître d'armes. À votre guise. Mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de donjons. J'ai été employé en dehors de ma spécialité. Maudites soient les entrailles du grand Alifurne. J'en ai assez de ces revendications syndicales. Fichez le camp, tous les deux. Je retourne à mes recherches. Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer. Dans notre intérêt réciproque, maître d'armes. Ouais, affirmatif. Pour l'instant, crevure de... Enfin, je veux dire, intendant. Oui. Ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé. On se croirait dans un moulin. Avant de pouvoir arrêter des aventuriers, il faut se débarrasser des traînes patins. Affirmatif. La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du temple de Wismal pénalise la rotation des unités. Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite. Les gardes coûtent cher. J'ai lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion... Une gestion obnubilée des processus de l'entreprise. Optimisé, vous voulez dire, maître ? Silence ! Tu ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons. Quant à toi, améliore la garde, mais sans dépenses inutiles. On doit pouvoir recruter quelques stagiaires. Cela ne coûte presque rien, il faut juste penser à les nourrir de temps en temps. Affirmatif, il faudra nous en contenter.
Je vais les former au métier. Ça va pas traîner. Garde à vous. Repos. Ok, alors, la salle des gardes. La salle des gardes est essentielle pour défendre le donjon contre les intrus. Placez-la à proximité de l'entrée. Ok, construction... Vous voyez pas forcément tout. Je vais cacher... Je vais mettre le jeu dessus le chat. En gros, ouais, voilà. De mon côté, là, j'ai... Je peux accélérer le temps, le mettre en pause et tout ça. Comme un jeu de gestion, tout simple, hein, en gros. Alors, salle de garde. Pour recruter et poster des soldats pour produire de l'information. Une salle de garde est le summum de la stratégie, le standard de tous les donjons se trouvant en fang, que ce soit en termes de défense ou d'attaque, planifiez vos approches. Sous Good M, 1429, le maître du donjon pour les nuls. Quasi garde, chaque récit recrute automatiquement un ou plusieurs gardes qui vaquent à leur occupation jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée. À ce moment-là, ils se dirigent automatiquement vers le combat. Attention, chaque casier augmente la population du donjon. Le nombre de gardes présents dans le donjon est toujours affiché. Ah, les premiers stagiaires sont arrivés. Soldats, garde à vous. On repart de sur l'homme de base. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Les intrus explorent le donjon. Pardon. Survivre à l'incursion. Ah, ils sont là. Traîne pas un. Les gueux. Oui. Voilà. Allez, regarde, fils du nijambiste. Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner. Idéalement, il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer. Mais c'est absurde. Négatif, c'est l'entraînement par l'obéissance aveugle. Réfléchir, c'est déjà désobéir. Allez, en pas de course, la bleusaille. En deux. Oh, on a un garde qui est mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut lui? On va aller voir Zangdar. C'est une manifestation. Révax, pourquoi les sbires s'agitent? Il y a trop de bruit, cela perturbe ma concentration. Un serviteur est en grève, maître. Il proteste contre ses conditions de travail. Je peux envoyer la garde pour massacrer cette feignasse. Les civils se croient tout permis. Je ne suis pas certain que cela soit la meilleure approche pour conserver du personnel compétent, maître. Les détails ne m'intéressent pas. Je ne veux plus entendre de bruit. Gère ce problème ou c'est toi qui seras fouetté. D'ailleurs, il y a... C'est fini, un sbire en grève. Sbire en grève ? Oh, le petit...
Chaque début de décade, des grèves peuvent éclater dans le donjon, entraînant des conséquences potentiellement désastreuses. Les grèves ont pour effet d'agacer Zangda et de faire chuter la réputation du donjon. La jauge affichée indique le temps restant avant que les sbires n'abandonnent la grève. Si ça se produit, son moral ne sera fortement diminué. Les syndicats des grévistes affichent leurs revendications, répondez à leurs demandes pour mettre fin à la grève. Veut travailler avec son poulet de compagnie. Ouais. Veut travailler 6 jours par décade. Ok. Veut une couverture dentaire. Veut 5 décades de congés par an. Veut une augmentation. Veut la pause café. La pause café, bien sûr. Veut pouvoir boire sur son lieu de travail. Et attends, c'est quoi toutes ces revendications? Veut s'asseoir 5 minutes par heure travaillée. Veut un verre d'eau. Ah, et veut la démission de Zangda. Pas mal. En fait, ne vous embêtez pas, ces revendications sont pour le moment irréalisables. Débarrassez-vous de cet ingrat en le licenciant. Mais au moins, licencier un sbire coûte de l'or. La somme dépend de son grade. Bah, au revoir. Je suis occupée. Bientôt la paye. Puis-je faire quelque chose? Pardon? À vos ordres. Bientôt la paye. Puis-je faire quelque chose? Je suis occupée. L'est-il? Allez, licencié. Dehors, le gréviste! Voilà qui fera un exemple. Enfin, je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Et voilà, maître. Tout est rentré dans l'ordre. La grève est terminée. Pas trop tôt. Assez perdu de temps. Je viens d'être informé que le temple de Wismal a encore gagné en réputation. Et nous, on se demande si on joue de la flûte ou si on fait du trampoline. Il faut qu'on limite les risques de grève. Le donjon ne pourra pas résister aux aventuriers avec des sbires mécontents. Affirmatif. Pour démolir ces petits fouineurs, il faut des gardes motivés, et donc bien nourris. Tous ces problèmes sont indignes d'un sorcier de haut niveau. C'est bon pour les stagiaires. Bien sûr, maître. Je vais voir ce que je peux bricoler. Mais il va nous falloir un cuisinier. Qu'il ne soit pas trop cher et qu'il cuisine des choses appétissantes. De l'ours à la bière, par exemple. Il faut aussi adapter la nourriture à chaque origine. Si on sert à des gobelins la nourriture des elfes, ils vont aussi manger les elfes. Ok. Construire un bureau pour Evax. Permet de débloquer l'accès à plusieurs fonctionnalités. L'intendant est dans tous les donjons. La fonction critique qui fait tout fonctionner. Ses appartements sont à son image indispensables, mais trop souvent négligés. Faire un petit bureau pour Ivax avec la porte au milieu là. Bureau de ressources inhumaines. Consultez les profils recrutés, à recruter, cliquez sur l'onglet Sbire. Ok, Sbire. Sélectionnez l'orque cuisinier pour consulter son CV. Orque cuisinier, prestige demandé. Une étoile, ok. Il dit qu'on l'avait embauché dans un relais pour chevaux au nord du lac de Sbluff. Il dit aussi que les chevaux sont sympathiques et bons à manger. Ah ouais? À nouveau. Puis-je vous aider? Non. Voilà, il paraît que vous cherchez un cuisinier. C'est Franck Pitiot. Personnel dans ton maître. C'est... Oui, mais je viens justement de recruter un cuisinier orc. C'était le seul dans mes moyens. Vous êtes qualifié? Pardi, j'ai été cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. L'épluchage et le désossage, ça me connaît. Et 1000 broucoules pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, ça la pourrait servir. Mais je n'ai pas vraiment de budget. Je me paierai avec les recettes. Allez,
Vous ne le regretterez pas. Je vais en faire un rat de première bourre. Toute la terre de Fang viendra pochetronner ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort et clair. Mouvement en direction du bar. Marche, hante, hante. Sélectionnez le sbire orc pour consulter ses fonctions. Le sbire orc cuisinier, il est là. T'as des idées de cosplay? Vas-y, dis-moi. Oh là là, là 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 là. Les orques, on a toujours raison, c'est bourriné. Ils chantent bourriné, ok, d'accord. Cliquez sur la flèche de navigation pour afficher la deuxième page. L'origine du sbire détermine ses traits et ses comportements spéciaux. Par exemple, les orques sont carnivores, ce qui nécessite que vos cuisines produisent des plats de viande. Solution à tout. Orc aime bien viande. Vin. Oulak. Orc prêt à faire des trucs. Y a problème, humain. La 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 la. Ah, moi je peux proposer des cosplays. Trait de l'orc malpropre carnivore. C'est bien ça? Placer une planche à charcuterie dans la cuisine. Une planche à charcuterie dans la cuisine. Cantine, cuisine. Bien manger, planche à charcuterie. Permet la préparation des plats de viande aux cuisinières et construire. En construire oriente la production des plats dans la cuisine. Plan de travail pour la préparation des plats de base de viande comprend tout le nécessaire pour produire des charcuteries délicieuses mais dont vous ne voulez pas connaître la composition. Parfait. Parfait. Pourquoi ça va pas? Cuisiner. Cuisine. Ajouter. Attends. Ah, il faut que je sélectionne la cuisine. La modifie. Et choisir le plan de... Voilà, ok, j'ai compris. J'ai compris l'idée. T'es ultra désorganisé. Ah. Est-ce que tu peux me faire une petite liste de qu'est-ce qui est possible? Cuisinière. Ouais, j'ai eu. Ok. Vos sbires mangent debout à la cuisine, ce qui réduit leur jauge de morale. Vous pouvez construire une cantine pour leur permettre de manger assis et donc d'augmenter leur morale. Maître, nous avons considérablement amélioré les conditions de vie des sbires, et pour pas trop cher. Et en plus, on sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi? Mais quel est cet énergumène? C'est Émile, le nouveau patron de la taverne. Je vous expliquerai. Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des fadaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. Dites, sans vouloir trop la ramener, vous trouvez pas qu'il refoule un peu votre donjon? Il y a comme une odeur de rat crevé. Quoi? Mais pas du tout, nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les traînes patins. Je dis pas, mais ce matin j'ai croisé un cafard qui vomissait, tellement c'est dégueu. Attention hein, je lave pas les chopes tous les jours, et je prends pas plus d'un bain par mois, mais bon... Il y a des limites à la crasse, quand même. À court. C'est vrai que pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing. Nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça. Ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leur derche. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. Recruter un domestique elfe, bah oui. On va recruter un domestique. Audriel Aubénias.
Les elfes ont eux aussi des besoins spéciaux. Les informations sur les origines se trouvent sur le profil du sbire, ok? Précieux, ne génère pas de réputation dans les salles. Dans les salles sales. Déclenche les pièges plus souvent que les autres sbires insouciants. Refuse de manger de la viande et... ou du rebut. Dans végétarien, ok. Bah, je recrute. Sélectionnez une salle d'eau pour consulter ces informations. Salle d'eau. Hygiène, les objets présents dans la salle ainsi que les déplacements des sbires génèrent de la saleté. Selon leur origine ou leur trait, l'hygiène ou la saleté a un impact sur le moral des sbires tels que les elfes. Ce bouton permet d'indiquer aux domestiques si la salle doit être nettoyée. Oui, bah on va la maintenir propre. Placer une douche dans la salle d'eau. Ah, on va mettre une douche à côté des chiottes, parfait. Génial. Ah, parce que ça prend de la place, vous comprenez. Voilà. Ah, et plus on augmente et plus on a des trucs ici. Oh, mais quel est cet objet dans la douche? Un robinet? C'est donc ça! Fascinant! Oui, Revax fait une collection de robinets dans Nalbuck. Placer un bac à légumes dans la cuisine. Oh, putain! Un bac à légumes! Tac! Voilà! De quoi cuisiner les légumes. C'est bien un truc d'elfe. Enfin, au moins, les pommes et les navets, ça ne coûte pas trop cher. Revax, le temple de Wismal a fait installer des colonnes de marbre. Je viens de voir les gravures dans le magazine Donjons et Despotes. Misère. Encore ces publications à la noix. La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée. C'est un aspect essentiel de la prolificité des processus de cette organisation. La productivité, maître. Vous disiez que nous n'avions pas d'argent pour... Occupe-toi d'améliorer les choses, ou tu finiras en pot de fleurs. Et cesse de contredire mes orientations managériales. Ou Orlof t'enverra une lettre de renvoi avec une arbalète. Décoration. Cliquez sur l'onglet décoration pour augmenter le prestige des salles et donc la réputation du donjon. Objet. Alors, placez 10 décorations. Qu'est-ce qu'on a? On a une armure, un banc grand modèle, un brasero carré, un coffre en bois... Ok. Lumière magique augmente le prestige de la salle. La statue de Xangdar, on va la mettre au centre. Là. Ah, il y a une entrée secrète là, ok. Au moins 3 mois de travail et 300 kg de granit. Ça fait lourd le selfie. Et boire, c'est bien, mais la vaisselle, c'est chiant. Quoi? Ouais. Et je vous sers un coup? Du gras, du sel, de la bière. La base, quoi. J'écoute. Bon, j'ai du singe sur le parquet. Alors, il veut quoi? Quoi? Bon, j'ai du singe sur le parquet. Alors, il veut quoi? Ok. Objet, on va mettre des colonnes. Miss Camille, tu peux proposer quoi comme cosplay?
qui? Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Ah oui. À vos ordres. Quelle chance, les nains! Oh là là! Voilà, maître. Nous avons installé des colonnes de marbre, des braseros et des pots de fleurs, ainsi... Ah! Je suis fort aise d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires de donjons de Fang pour leur faire la démonstration de mon génie créatif. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennui. Bonjour. Je cherche le maître du donjon de Nahalbuck. Josiane ? C'est-à-dire que je suis son intendant. Puis-je vous aider ? Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures ? Je ne sais pas. Cela regarde la rédaction de la gazette de la PDF. Je suis Josiane Mortadelle, contrôleuse principale de la caisse des donjons. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Quoi ? La CDD ? Mais nous n'avons pas demandé d'affiliation. Il doit y avoir une erreur. Votre maître a écrit à la PDF. D'après les stipulations du règlement de la PDF, qui est sous notre tutelle, tout courrier vaut demande d'adhésion à la caisse des donjons. Sauf mention contraire express. Ah putain, la caisse. Alors la caisse des donjons, dans l'univers de Nahalbuck, c'est ce qui régit un petit peu tout ce qui est loi auprès des donjons. Et Zangdar ne veut pas du tout y aller parce que c'est des voleurs d'argent. Et c'est vrai. Dès que les aventuriers font une quête, il y a la caisse des donjons qui est là, qui fait ouais, mais techniquement, les taxes, vous gagnez pas les 8000 pièces d'or qu'on a dit. Hein. Mais c'est malédiction putride, c'est complètement absurde. Et si nous refusons d'adhérer ? C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence de la totalité des tribunaux de la terre de Fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédommagement. 200 quoi ? Mais c'est du racket ! Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parchemins. Misère et rat mutant. Revax ! Dans mon bureau, immédiatement ! Mais c'est... Ok, et ben c'était la démo du maître du donjon qui sort cet été. Et en vrai, j'ai kiffé. Et clairement, je vais le prendre dès qu'il sort. Voilà. Un tout petit stream. C'est trop cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Hop là. Montage, mixage. Hop. Maléfique, Bellatrix, Perséphone. Thank you.
un certain que j'ai pas forcément, que je connais pas. Genre celui-là, je sais pas ce que c'est. Hunter x Hunter, d'ailleurs. Moi, clairement, de base, je kiffe ton cosplay de Maléfique, de base. Donc, clairement. Et en vrai, j'hésite entre Bellatrix et Perséphone. Oui, j'avoue. Ah, t'es là les 3 jours? Oh, fou. Ok. Yep. Pif paf pouf. Full robe. Des os. Après, Jinx, il est sympa aussi. Presse, voilà. Kit de communication. Merci. Illustration, Miyoko Osoi. Changer un petit peu. Parce que c'était le design de stagiaire quand on en avait un. Cast. Le front pas ouf hein. Il faudrait que je trouve un autre truc. Thank you.
pas de photo de Lorraine. Bref, voilà, c'est la fin de ce stream. Moi, je dois y aller. J'ai un rendez-vous dans 20 minutes. Je vous fais des bisous, merci d'être passé. Et puis, bah, pour le coup, je vais sûrement mettre ce stream sur la chaîne YouTube. Parce que bah, ça parle de Donald Buck. Et puis, sur YouTube, on parle de fiction audio, Donald Buck. Vous avez compris. Bref. J'ai pas de photo de Lorraine. Pas officiellement. Je peux aller sur son compte perso, mais pff, pas ouf, je préfère qu'il me le donne lui-même. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on s'en va pas des photos tous les jours, Lorraine et moi. Thank you.
courage, désolé si ça fait chier. Te prends pas la tête si ça fait chier, d'accord? Des bisous, on vient de vous. Et puis à ce week-end, si vous êtes à Japan Tour, n'hésitez pas à passer sur le stand. On est là. Des bisous. Surtout. Je pense. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.